Salut tout le monde, bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Par contre, si la luminosité c'est pas trop ça, j'ai galéré, j'essaie de mettre des lumières, pas des lumières. Je vais investir dans une ring light, je pense qu'on aura moins de problèmes. Donc s'il y a des petits changements de luminosité, c'est par rapport au soleil parce que je filme avec la lumière du jour. Donc voilà, là depuis peu j'ai eu cette palette et j'arrête pas de maquiller avec. D'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et franchement un vrai coup de cœur, elle est super belle. C'est la deuxième palette de Sanana, c'est Sephora. Il y a ce mascara aussi que j'ai découvert qui est le mascara Too Cool For School qui est formidable. Et sur mes lèvres j'ai mis le Studio 78 qui est génial, c'est un crayon à lèvres. J'ai découvert depuis pas longtemps le concealer Nabla et franchement le close-up il sent trop bon la coco, il est super bien, je l'adore. C'est celui qui a remplacé mon Shape Tape. Et là depuis peu j'ai découvert ce fond de teint, c'est le Clinique Anti Blénish Solution et franchement il est top top top. Donc voilà, je me suis maquillée avec ça aujourd'hui. Et ben là on voit pas trop trop parce que ben, c'est la lumière naturelle. Mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que ben, j'ai reçu en retard. Peut-être que vous avez déjà vu la vidéo, c'est j'ai reçu ma Birchbox. D'habitude je la reçois vers le 2-3. Là je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai décidé de me désabonner toutes mes box. Mais comme vous avez vu la dernière fois sur ma Beautiful Box, c'était ma dernière Beautiful Box. Et là c'est ma dernière Birchbox parce qu'il m'avait déçu la dernière fois. Il m'avait envoyé des produits qui n'étaient pas très très pleins. Bon je m'étais plein, il m'en les avait renvoyés. Mais c'est vrai que j'en avais marre des box. J'ai beaucoup de produits dans ma salle de bain. Donc je me dis je vais m'arrêter un petit moment. Puis je reprendrai peut-être plus tard. Donc là je me suis désabonnée de ma Birchbox, ma Beautiful Box et Degusta Box. Du coup si vous avez des super box à me conseiller pour la prochaine fois que je compte me réabonner, c'est avec plaisir. Donc voilà, il se présente, on va passer à l'unboxing. Présente comme ceci. Donc moi en plus je me sers déjà des, il y en avait déjà des simples comme ça pour mettre mes bijoux. Donc celle-là elle est géniale, il y en a un, deux compartiments. Elle est super jolie, en plus Safe Love Club, donc ça devait être pour la journée de la femme. On a le petit livret, donc ce que je vais faire, je vais sortir les produits. Regardez, parce que dans le livret, c'est là où il y a écrit tous les prix des produits, la contenance. Et je vais vous dire ça, puis il y a d'autres choses aussi. Par exemple, au début, vous avez ça, vous avez des trucs comme ça. Vous avez des éditos, voilà, histoire de meuf. Ça, je crois que meuf, c'est ce qu'on retrouve dans la box. Les looks. Donc vous avez plein de choses et puis voilà les produits, ils vous disent des produits. D'ailleurs moi j'adore ce petit produit là, j'adore. Je l'ai terminé, il faudrait que je m'en rachète un jour. Et voilà, donc maintenant on va passer, il y a même un besoin de self love. Le corner bien-être. Et maintenant on va passer... Mais d'habitude, il y a les produits quelque part, là, ils y sont pas. Ben, c'est bizarre, cette fois-ci, ben, d'habitude, j'ai un petit livret qui vous dit eh ben, le prix des produits, la contenance et tout. Mais pas cette fois-ci. Donc, ben, on va y aller en freestyle. On va aller choper les produits dans la box. Et bon, ben, déjà, ça commence mal. La vie est belle de Lancôme. Un échantillon. Donc bon bah moi je suis pas trop, je crois que je l'aime pas celui-là, je me rappelle plus de la vie belle de Lancôme, je vais voir. Je vais le tester, je vais vous dire ça. Il se présente comme ça, un petit flacon comme ça. Ah non bah j'ai trop vite parlé. Oh il sent bon, il ressemble à Yes I Am Pink. Incroyable comme il ressemble. J'ai le Yes I Am Pink de Cacharel et... Mon préféré c'est le miracle de Lancôme, mais je savais pas que la vie est belle, il sentait ça. Oh, j'adore l'odeur. Donc comme quoi, belle découverte. Super, au final j'étais pas contente et au final je suis contente. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Fait à la main, café turc et huile d'olive. Ça se présente comme ça. Olivos. On va regarder ce que c'est. Ce qui est bien aussi, c'est que personne n'a les mêmes box, c'est par rapport au questionnaire que vous... remplissez. Donc c'est un savon comme ça. Oh, il sent bon. Déjà j'ai des savons d'Alep, ça sent le savon d'Alep que j'ai dans la salle de bain. Donc bah, c'est bien, c'est toujours bien d'avoir un petit savon. Mais bon j'espère qu'elle sera mieux que ça parce que là un petit parfum, un petit savon. Donc là qu'est-ce que c'est? Imparfait, je crois que ça me dit quelque chose cette marque. Crème hydratante pour peau heureuse. Oui oui c'est ça, c'est une marque qui s'amuse
à surfer sur des un peu comme il faisait Goût au début ou oh mince, je sais plus comment ils s'appelaient, ceux qui faisaient les gâteaux là. Ah bon, c'est pas grave. Ils aiment bien faire des jeux de mots dans leurs produits. Alors, appliquer quotidiennement le matin selon propre et sèche. Donc, je vais essayer. C'est pas cool hein, de ne pas avoir la petite fiche avec les produits parce que c'est vrai que c'était bien. J'aimais bien moi savoir. Donc, est-ce qu'elle est bien? Je sens le parfum, du coup, je sens même pas l'odeur de la crème. Mais elle a l'air bien, elle a l'air super hydratante. Donc, ça, bah, à tester. Et maintenant, on va passer à en dessous, au tiroir du dessous. Enfin, je perds mes mots, j'arrive pas à parler, je sais pas ce que j'ai. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est Lise Wattier, donc j'ai déjà entendu parler. Donc, c'est quoi? Un petit baume à lèvres? Ça a l'air d'être un rouge à lèvres. Gingerbread, la teinte, mais il est tellement petit qu'il me saute des mains. Donc, je vais l'ouvrir, on va regarder la teinte ensemble. J'espère que ça va, la luminosité, c'est pas trop. Bas que vous arrivez à voir quelque chose, donc c'est un joli rouge à lèvres comme ceci. Il est marrant le raisin et je vais le swatcher. C'est une jolie couleur. Je mets des couleurs comme ça, donc à tester. Le parfum il a pris surtout, j'arrive rien à sentir. Donc voilà. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il est tout abîmé, le tout rayé. Le flacon, donc Brave New Air, ça doit être pour les cheveux. Kératine, ah, ça c'est bien. Masque reconstituant pour les cheveux instantanément plus souple et lisse. Masque reconstituant, ben ça, souple et lisse, ce serait plutôt pour ma fille parce que moi je cherche plutôt les boucles. Donc il se présente comme ça. Il sent bon la coco. Donc ouais, ma fille elle essayera. Il a l'air bien. C'est Biopharma qui fait ça. Ok, Brave New Air Kératine. Donc c'est un 50 ml. Donc heureusement, ça va mieux là. Et cette marque, je connaissais. Ben, j'ai fait un masque d'ailleurs hier. Un masque chauffant. Vous mettiez le masque, vous faisiez comme ça faisait tout chauffant de cette marque. C'est tiré 417 ou moins 417, je ne sais pas. Et là, c'est Absolute Masque Corporel à l'argile. Ben, comme quoi, je crois que j'ai vu la pub Birchbox. J'ai vu la vidéo d'Elodie Moitou. Et il n'y avait pas du tout les mêmes produits. Ça, je me rappelle qu'elle avait eu ça. Elodie Moitou, mais je ne me rappelle pas qu'elle avait eu les autres. Bon, j'ai regardé vite fait la vidéo parce que j'avais pas trop envie de me spoiler. Mais c'est vrai que bah, je suis contente. Masque corporel à l'argile, j'en ai jamais fait. Donc voilà pour les produits. Donc je vais vous récapituler. Donc on a eu un masque à l'argile, une petite crème pour le visage, La vie est belle de Lancôme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Yes I Am Pink, un petit rouge à lèvres de Lise Wattier, un petit savon pour les mains et un baume pour les cheveux. Donc non, elle est bien. Elle est bien. Après, je me réabonnerai peut-être. Plus tard, mais là c'est vrai que j'en avais marre des box, donc je sais pas pourquoi j'ai la tête coupée aujourd'hui sur la vidéo. Et là aussi je voulais bah, ouvrir avec vous ce petit colis. Donc ça c'est j'ai reçu ça, Somatoline anticellulite, donc ça tombe bien avec les beaux jours qui arrivent. Gel cryoactif. Et je sais pas si vous rappeliez, j'avais gagné, vous rappeliez, j'avais gagné un concours avec ben, justement un gommage Somatoline, une crème minceur et une crème anticellulite. Et franchement ils sont top leurs produits, le gommage il est top. La crème pour mincir, ben, j'ai vu au niveau du ventre que la graisse elle était partie. Et pour la cellulite, bon la cellulite c'est un peu plus incrusté, peut-être qu'il fallait deux paumes. J'ai vu ma peau se lisser et des résultats, mais peut-être avec en combo avec celui-là, j'aurai plus de cellulite pour cet été. Donc ben, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas les produits Somatoline Cosmétique, vous pouvez les essayer. Ils sont vraiment très bien. Et là en fait, c'est, je me suis inscrite sur Sempléo, je ne sais pas si vous connaissez Sempléo. Et j'ai été choisie pour, ben, pour être ambassadrice de Somatoline Cosmétique. Donc vous allez bientôt, si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Vous allez sûrement voir le post, donc je dois faire des posts, je dois le tester. Et voilà, donc ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!